En France, le parc de logements est estimé à près de 34 millions. Plus d'un tiers de ces logements est touché par le développement de moisissures. Seulement 10% de ces contaminations sont visibles. Ainsi, une majorité d'occupants est exposée sans le savoir. Les autres lieux de vie tels que les écoles, hôpitaux, maisons de retraite, bureaux sont également concernés. Ces champignons microscopiques, qui se développent souvent dans les pièces humides, mal ventilées ou mal isolées, peuvent dégager des odeurs désagréables, mais aussi provoquer des allergies, des irritations et parfois même des infections pulmonaires. C'est pour prévenir ces risques que le CSTB a mis au point une balise qui détecte ces contaminations avant qu'elles ne soient visibles à l'œil nu. Comment ? En sachant reconnaître et décrypter les COV, composés organiques volatiles, que les champignons microscopiques émettent aux prémices de leur développement. Le fonctionnement est simple. La balise est installée dans la pièce à surveiller. Elle analyse en temps réel les informations collectées. Elle détecte ainsi tout développement fongique. Une intervention est alors possible dans les meilleurs délais pour éviter que les champignons ne se développent. Grâce au biodétecteur fongique du CSTB, les responsables de parcs de logements et les particuliers peuvent prévenir les risques de santé liés à l'exposition aux champignons microscopiques.